Merci pour les offrandes que tu bénis.
gracias, Señor, nos conlleva. Donas, el rey, donde no es el que no está con él. Porque el más visto en la máxima de la vida. ¡Dale, qui a senti la guérison, qui a senti la guérison.
Elle dit que pendant la prière, elle a senti quelque chose et ce mal a disparu. Est-ce qu'on peut acclamer de Jésus? Oui, Seigneur. Alors, Mémé. Lorsque je vous ai dit, j'ai mal à la tête. J'avais des antennes de douleur, au niveau de ma tête. Et lorsque on priait, j'ai senti que la cage touchait mon corps. Donc elle était guérie. Et je peux ma guérison. Alléluia! Lève-moi, Joël. Allez, Joël. Tout le monde est Joël ici. Nous allons vous. Parce que depuis que vous faites vos livres, regarde tout de suite, vous allez voir. Ouais, depuis que vous allez, na, Lorsque le prophète priait, elle avait fait 15 ans de vie de foyer. Je suis même mariée légalement, mais pas d'enfant. Donc tout à l'heure, quand il priait, j'ai commencé à sentir des boules. Je sais qu'il y a des boules. Mais mon corps a commencé à bouger seul. Je suis tombée. Donc quand je suis faite, Le vendredi, on l'a mené à la gare. Maintenant, elle a mis le gros bras, elle est là.
qu'est-ce que Jésus a fait de l'Ibrahim? Tu as commencé à attaquer déjà. Déjà, le Seigneur m'a guéri. J'avais quoi? Parce que j'ai été lié. À tout le temps, fait mes pieds et je me sentais très mal. Donc, la fois dernière, j'ai pris plus de 3 jours, je ne peux plus me relever. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai su que je devais être délivré. Oh, aujourd'hui, même au cours de la prière, j'ai senti ce sentiment et tout est sorti à moi. Oh, yes! Témoigner, voilà petite lumière. Mamie. Lève ta tête. Tu as fait quoi? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu as délivré? Je ne m'en vois plus, je ne mange plus. Comment ça? Je disais ça, moi. Va attendre sur elle pour moi. Non, il doit avoir un signe. Qu'est-ce que tu trouves qui est délivré? Peut-être que tu es déjà maintenant, tu dors bien. Il y a tout ça. Qu'est-ce que tu trouves qui est délivré? Oui. Donc on peut être délivré de la sorcellerie. On peut être délivré. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Madame, c'est un témoignage. Ce n'est pas à vous. Quelqu'un parle au Seigneur Jésus. Elle était sorcière. Hier, elle a été délivrée par l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, elle a bien dormi. Vous voyez que là, vous souffrez déjà. Vous souffrez. Tu as créé sommeil de tout là. Vous les dormez. Vous faites travail encore. Vous savez comme fessier là, vous faites marcher comme ça. Deux ménages comme. Comme tu t'envoles, tu finis par te tordre, tu finis par être bizarre. Tu travailles, tu ne reposes pas. Tu as créé le repos. On dort la nuit, toi tu travailles. Dans la journée, tu travailles. Comment tu as fait tort? Tu es délivré. Hein? Oui. Tu faisais quoi avant? Sorcier. Tout ça qu'on fait, nous mettons toutes les mêmes choses dans la société.
quand on étudie souvent la sorcellerie, quand ça marche pas, on peut pratiquer la sorcellerie, qui est un ancien de soi qui est bloqué. Mais effectivement, ce qu'elle veut dire est clair. Pour aller jusqu'au bout, il faut fermer tout ce qu'elle a étudié la sorcellerie, mais il faut fermer mystiquement. C'est une pratique mystique. En intérêt cardinal mystique. On va aller déterrer ça. Voilà. Je peux aller déterrer. On va retour. Au dos. Je peux déterrer. Oui. Je peux aller déterrer. Oui. Il s'appelle quoi encore? Où est le niveau? Hé, Limba. Esther. Je suis en train de voir si toi-même, tu veux un témoignage. On y a ce bon avec les titans. Elle dit qu'elle a enlevé la peau de sa fille pour aller pratiquer la sorcellerie. Il prenait sa peau, il partait faire sorcellerie. Donc là-bas, c'est elle envoyée, c'est pas toi. Aujourd'hui encore au cours de la prière, c'est la même émotion que j'ai.
Depuis dimanche, je n'ai pas porté les vêtements aujourd'hui. Amen. Il y a quelque chose qui est mystique, la merci ne peut rien contre ça. Il y a des témoignages. C'est important de rendre témoignage. À la gloire. Il est bon à la gloire de Dieu. Donc on va annuler ça. Mais c'est quelqu'un qui a eu toi. Quelqu'un qui va être médecin vétérinaire. Voilà. Bon, c'est un très brillant l'école. Mais c'est ça qui allait perturber son scolaire. Il est venu dans le mine. On va détruire ça. Ça. Il sera bien. Il y a des grandes études, c'est un enfant qui est très brillant. On est nous vous serez ça dans le programme sur ta vie. Depuis ta naissance, tu peux déjà programmer les choses sur ta vie. Donc on va déprogrammer ça pour ta vie. En qualité de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, dis amen. Nous rendons gloire au Seigneur, dis amen. Maintenant, ceux qui se reconnaissent sorciers, qui veulent guérir, venez devant ta tête. Oh voilà, voyez dans le tout. Venez qui est maintenant, on ne touche pas derrière. Dégage! J'ai parlé, j'ai dit, celui qui se reconnaît sorcier, il veut que je le sois, il est bien, envoyez-moi dans le nom. Nous t'envoyons, on y a encore la Jésus te dit, toi tu es en quelle délivrance? Ça va conserver sa délivrance. Jésus te dit, tu vas parler d'embête, dans Koutoukouda, tu délivres ma chère. Comme tu vas y tout te bloquer, mais tu délivres tes délivrances pour toujours vivre dans le péché. Tu te délivres le sud. Maintenant, ta délivre est différent. Tu délivres le péché, tu vas faire les avancées. Mais quand même, il y a un pot, rien ne trouve pas. C'est clair? Il y en a un. Toi, tu vas rester le sorcier encore. Toi-même, là, tu fais quoi? Il y en a un. C'est clair, tu veux quoi? Il y en a un. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, il y en a un. Tu n'as pas obtenu bénédiction. Dieu a dit à Israël dans Deutéronome, le chapitre 28, il dit si tu obéis à la parole, et tu mets en pratique ma parole, voici les bénédictions que je répondrai sur toi. Ce n'est pas une question de sorcier qui a bloqué. La seule condition de marcher sur ta parole. Si le sorcier t'a lâché, toi, qu'est-ce que tu fais? On ne bénit pas parce qu'il y a une condition que Dieu bénisse. Nous avons bien en train de cette façon, marchons la parole de Dieu. Mais si tu vois que l'enfant va bloquer ta vie, maintenant, je ne sais pas où il est, que tu laisses en vie. Je dis, t'as délivré, t'es toujours avec le monsieur qui est marié. Je dis, on te dit, il soit un mari des gens. Mais oui, un bon. Mais ta situation n'a pas changé. Mais pourquoi la qu'il là? Je dis, t'as délivré. Je dis, tu vis encore de la prostitution. Mais pour la caméra, ta situation n'a pas changé. Mais pourquoi la qu'il quand Jésus te délivre, on va le faire. Tu es converti. Il a. Tu avais dit quoi? C'est bien chaud. Et puis maintenant chercher à vivre la vie de Dieu. C'est tout. Oui, bon. Vous pouvez tuer les bêtes. Vous avez des délivrés. Vous avez des délivrés. Vous avez des délivrés. Il y a des gens qui ont compris pour eux. Ils n'ont pas de toi à faire. On va dans le péché. Donc, on dit, tu tues les bêtes, les bêtes. Vas-y, bénis les bêtes. Si Dieu t'a délivré, c'est pour le sud. On peut dire, il y a un peu de chercher mari des gens. Et quand on me voit, laisse mari des gens, on lui va donner pour toi. D'accord, le sorcier. Vous comme nous. On ne prend pas mari des gens. On lui a trop, nous.
Amen. Voilà. C'est mon père qui est dit. Il a dit. Si tu as pris Marie, déjà, t'es sorcière. Et quand, et oui, t'as pris ton nom. Elle est chaude, on ne partage pas femme, puis ma garçon, on ne partage pas ça. Non, il est rendu loin. La bataille, la Il n'a pas été béni, il n'a pas été béni. Il n'a pas été béni. Vous voulez comprendre pour vous. Ah, mais vous voulez. Sorcier des mains, si Dieu n'est pas là. Si Dieu n'est pas là, vous ne pouvez pas attrister le Saint-Esprit. Vous n'avez pas été béni. 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 Ça parle de la parole. L'obéissance à la parole. Et vous, 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 vous. C'est sauvé pour sa vie. Il y a un côté de cas, moi que. Amen. Amen. Vous voyez un petit blocage à taper votre enfant, je ne suis pas encore délivré. C'est toi. Il y a un peu de temps. Sa femme est délivrée. Et non, lui-même est délivré. Il fait la peur. La nuit, il le voit en rêve. Avant de pousser ma chaise. Ok, moi, d'accord, fou. Ok, ça va être moi, je vais aller. Le Seigneur. Oh, regarde, moi, c'est ici. Vous avez rien de plus. Jésus, il a pas la main, lui. Il est sûr, vous avez raison. Il a raison. Ah, il y a dans le même. Il a raison. Oh, mais. C'est pas dans Il ressemble à quelqu'un qui se fout de Dieu. Il est comme au spirituel. Il faut respecter Dieu. Mange la canne. Pour le respecter. Non. Sorcier des mecs qui mangent, ils ne mangent plus. Encore, il y a une idée. Et puis tu vas laisser sorcier toujours ta compagne. Il est d'accord, il y a une idée. Toi, ne pas arrêter ta vie. Il va le couper. Lui, il a prêté serment. Moi, on t'a la canne. Et tu en souviens lui. Il va te laisser s'amuser les hommes, mais pas arrêter. Il est d'accord, il est qui, il est d'accord, comment venez-vous. Si tu es joué à toi, tu. Dieu s'amuse pas à son affaire. Non, mais qui l'a donné? Il a semé la parole. On a cette parole. Moi, vous devez. C'est tout? On y est. C'est là, il est grâce à Dieu. Il m'a appelé l'enfant. Depuis la parole, là même. Il t'énerve. Il t'énerve, t'appelles. Oh, pourquoi il ne veut pas parler? Il a compris que c'est lui-même. On il a un problème. Moi, là, oui. Il écoute l'enfant, il n'accepte pas la délivrance de l'enfant. Oh, mon Dieu, il est vide. Toi, tu vas marcher derrière toi. Ah, derrière toi. Qui est-ce que le reste est l'expression de nos pensées? Il y a, allez là, amène son message. Amène Google. Mais il est là. C'est lui qui pense que tu vas s'arrêter. Amène Google. Il est vraiment comme il est là. Il dit que tu l'as mangé. Image. Image. Hein? Oui, je mange quoi? Oui, mon père. T'as mangé ton papa? Oui, comment il s'appelle? Non, non. Ok. Vous êtes sorcier? Parce que je ne l'ai pas forcé. Oui, oui, oui. Vous voulez délivrer? Ah, vas-y, viens. Vous connaissez. Personne ne va te rejeter. Non. Chacun a un péché. Pour toi, tu l'as sorcellerie, tu as reconnu Dieu merci. Tu n'as pas acheté ça à Sokosé. On t'a donné. Dieu peut te délivrer. Oui, pour ça. Comme ça, tu es. Quand tu aimes quelque chose, Dieu t'en est pas ça. Quand tu dis non, Dieu te délivre. Tu refuses la chose, Dieu te délivre. Tu reconnais que tu es sorcier. Maintenant, c'est la même chose. Vous reconnaissez pour vous?
Oui ou non d'abord. Vous reconnaissez tous les sorciers? Vous voulez délivrer la sorcellerie? Allons-y avec vous. Comment vous appelez? Vous venez d'où? Vous venez de Douaville. Vous parlez bien le français? Ok, je vais aller. On va vider sur la tête, c'est des trous. Si c'est mieux, moi il n'y a pas procès la délivrance. Dès que tu dis, vous pas tous allons vous délivrer. Sinon si je vais faire deux choses là, on va durer ici. C'est ça qui me fatigue. Elle est délivrée ici. J'espère que vous avez moyen de couper les gènes. Pour vous, il y a la force. Tu es sorcier. Pas les bouches au.